quand le serviteur de Dieu va passer devant, j'aimerais bien que tu manifestes la joie, acclamant pour la gloire de Jésus. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes les jours où le Saint-Esprit était venu. Et j'ai senti sa présence ici ce soir. Alléluia. J'ai senti sa présence ici ce soir. Alléluia. Amen. Et il est parmi nous. Parce que lors de l'ascension, le Seigneur nous a promis, il nous a donné des promesses. En disant qu'il faut que je m'en aille. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. On n'est pas témoin sans le Saint-Esprit, mais on est témoin avec le Saint-Esprit. Si on reçoit le Saint-Esprit, la Bible dit à ces jours-là, je me suis rendu compte, c'était dans ce genre de conditions, parce que ce n'était pas dans une synagogue, ce n'était pas dans un temple. Mais le Saint-Esprit a visité des hommes, c'était dans un coin, dans une maison fermée. Alléluia. Je prie aussi Dieu, que Dieu puisse te visiter, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te visiter dans ta vie. Amen. Car celui qui a le Saint-Esprit n'est plus timide. Celui qui reçoit le Saint-Esprit peut parler des choses que l'être humain ne pourra pas parler. Peut recevoir, être connecté au ciel, recevoir l'inspiration divine. Mais plutôt, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut faire de lui-même, peut faire de sa personne. C'est quelque part la Bible dit, l'Esprit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne une force incomparable. Que le fort du Saint-Esprit de Dieu te fait chanter comme David. Que le Saint-Esprit de Dieu te fait parler comme un Paul. Que le Saint-Esprit de Dieu te fasse de toi un Tabitha. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'amène le plus haut. Amen. Que le Saint-Esprit te donne une force que tu n'avais pas avant. Que le Saint-Esprit t'aide à avancer vers la victoire. Que le Saint-Esprit pousse tes pas vers Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne une nouvelle force. Lorsque les autres vont regarder, ils diront que tu es faible. Mais l'Esprit de Dieu te rendra fort. Alléluia. Ayez ce désir-là dans votre cœur. Dis, mon âme a soif de ta présence. Mon cœur désire ta présence. Si le Saint-Esprit n'est pas là, la Bible m'apprend que David, il a commis le péché devant l'Éternel. Mais il faisait une prière que j'aimais beaucoup. Il disait des choses. Il disait à Dieu, ne retournez pas ta face et ne retirez pas ton Esprit Saint. Et ta vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie pourrie. La vie sans l'Esprit de Dieu, c'est une vie sans réussite. Sans la force de réaliser des choses impossibles. Mais que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Et vous devez savoir, lorsque Jésus-Christ était mort, après est venue la résurrection. Après la résurrection, la foi des nous avons vu, c'était l'ascension. L'ascension, aux yeux des disciples, c'était quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Il était mort réellement, il est ressuscité, oui, mais il est parti. Alléluia. Il est parti, mais ils étaient restés encore avec une autre promesse. Il est resté avec une promesse, restez à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit viendra, des choses vont débuter. Je dis aussi ce jour que de nouvelles choses débutent dans ta vie. Makambo asike banana vie à Mutumoko. Nzamba banofungu la porte où ils ont changé histoire na yo. Cela veut dire, quand tu attends la promesse, ce qui compte, c'est avoir l'espérance. Or, notre thème d'aujourd'hui, c'est dit-il, le Dieu, l'auteur de l'espérance. Nzambe akela elikia. Dieu, l'auteur de l'espérance. Écoutez, peuple de Dieu. Avant Dieu et sans Dieu, il y a certaines choses, moi, je ne peux pas espérer. Tu n'es pas né dans une famille qui sont riches. Comment tu peux espérer à dire, en disant que je peux être millionnaire? Tu n'es pas, je ne suis pas né d'une famille dont il ne connaît pas Dieu. Comment je peux dire, je peux être un enfant de Dieu? Dieu est l'auteur de l'espérance. L'auteur, cela veut dire,
Quand on dit l'auteur, il a commencé le débit que toute personne peut espérer à l'éternel. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui espère à l'éternel ne sera jamais confondu. L'église qui espère à l'éternel ne pourra jamais échouer. Une vie qui espère à Dieu ne pourra jamais plaire. Parce que Dieu dit, dans l'espérance de Dieu, il dit chaque chose à son temps. S'il y a un temps de pauvreté, s'il y a un temps de malédiction, s'il y a un temps de baisser, s'il y a un temps de plaire, il y a un temps de la joie qui viendra à paix. Dieu a créé l'espérance dans l'homme. Et il dit dans la parole, maudit soit l'homme qui espère, qui met sa confiance à l'homme et qui prend la chair comme, ou la chair comme un appui. Mais celui qui espère à l'éternel, il est différent d'autres personnes. Lui, il est comme une arbre, pas n'importe quelle arbre. L'arbre dont sa racine est sur l'eau, est branché sur l'éternel, est branché sur la parole. Chaque jour, il est ravitaillé. Lorsque le feuillage restera toujours vert, sa vie restera toujours joyeuse. Il pouvait persévérer avec l'éternel. Il est sûr parce que Dieu a mis en lui l'espérance. L'espérance nous aide à avancer avec Dieu. C'est pour cela, quelque part, la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas espérer de cette gloire. Mais Christ en nous a fait en nous que nous ayons en nous l'espérance de la gloire. Nous allons banquer pour visiter Ndakunayo. Kembo visite Vinayo. Ce qui vit dans qui n'en kembote, à travers Christ, tu sois connecté. En disant que ma vie, j'aurai pas la sécheresse, mais étant donné que Christ est à moi, étant donné que Christ est à vie à moi, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, la gloire, c'est ce qui a mené 17 ans de pouvoir de Kabila. La gloire, c'est ce qui a poussé Mobutu de vivre 33 ans. Si ce n'était pas la mort, il devait toujours être président. Vous savez, il est l'auteur de l'espérance. Or, un homme peut espérer à un homme, mais cet homme peut mourir. Mon père, celui le plus riche. Mais un jour, un père peut mourir. Et tu attends quelqu'un en train de pleurer. Où est-ce que je vais m'arrêter? Non, non, on a lingale go simba. Nako suka wapi. Et dans le quartier, il y a ma tumboli basalaka. Balobi suka kakawana. Cela veut dire, Dieu est l'auteur de l'espérance. C'est-à-dire celui qui espère à l'éternel. Étant donné que lorsque nous parlons de l'éternel, l'éternel, c'est quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Ce qui bango nzambe nango bazakana suka. Et que kona bango eziki. Nzungu na bango eziki. Yabiso nzamba kufakate. Yabiso nzamba zana bomoy. Yabiso nzamba banda kosala zili sakate. Vinaye kontinaka toujours. Après vie oyo, azo pesa biso sous espérance. En disant que vinaye zo suka awate. Bonga makapolo les asimanango. Dieu est l'auteur de l'espérance. Na cause kalisa lola ndenge nini depuis na baboko la biso zope na zonga na ndako na bino. Alléluia. Mona famille na yo. Baba ndo biso ke non monde ko za boy. Tango ko kufa yo ko za susu bon moy. Yo mozo tala ndenge batu bazo kufa. Ndenge bazo pola. Ndenge batu bazo kunda bango. Yo bana ko espérer. C'est Dieu qui a permis en disant, en nous disant, gardez l'espérance, et quiconque vit et croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Nous avons un zamba zolo l'espérance na vinayo. Et si kabazo bisozo souka, nous avons la porte kufungwa manango isa possible. Et si kabazo bisozo ke souki a wanga, nous avons makambo si kezo banda. Pour espérance, on a un zamba tchekati na yo, et qu'on change l'histoire à vinayo. Cela veut dire, muto azo mona na faso azo mona la yo. Igelo bateke ko suka wana. Nga na zo mona na nzambo ndimela. Porte ya munene zo funga ma pepe se victoire. Porte ya munene zo funga ma pepe changer histoire na yo. Porte ya munene zo funga ma pepe sa restauration. Tango ba no tambola zo tambola na fiero bipo nzamba zalaka. Na lo baka mutalo baka tu nzamba zalaka wa. A tambola kanangai. Bozo zelangana ko maman pasi mena zo kota na esengo. Bozo zelangana lela mena zo seka. Bozo zelangai o oh, na bata mena zo bima. Alléluia. Voyons voir là où on a tiré ce thème. Romain. Romain, chapitre 15.
Romains chapitre 15, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Église dit amen. Que le Dieu d'espérance, Nzamboya Kela Elikia, qu'il vous remplisse de toutes joies et qu'il vous remplisse aussi de paix dans la foi. Alléluia. Que Dieu de l'espérance, Nzambe ya Eliki atondi sa vie à Mutumoko. Atondi son abiloko pamba pamba te. Atondi son esengo. Atondi son akimia. Nanzele ya kondima. Et n'oublie pas, cela ne peut que s'opérer à travers le Saint-Esprit de Dieu. Tala, ils ont abattu batonda molimo. Batu bako ganga crise meya ganga ka Christ. Batu bazole la musala yazole la musalate. Batu bazolo banako suka wapi me Saint Esprit pesa ke toujours kimia. Ezana batu bazozela yo okangelongi bazomono zo seka toujours. Ezana batu bazozela yo bamona yo baloba ah ndenga zawana akoma kaka mutu soki avina ye ebeba bazomono toujours ke non na kondima oyo ndimela. Quand ils ont fougué la porte, ils m'ont causé les na yo. Ozo mona, ozo vivre le loté, ozo mona lobby. Yango Bible lobby, le Dieu de l'espérance. Il y a une version qu'on n'a pas. Et dans ces versions, Dieu qui est le Dieu de l'espérance est capable de mettre en toi, à travers la foi, la joie, la paix, la tranquillité au nom de Jésus-Christ. Engelo bake mitungisi ozo mona ebangi sote po nzambe ya elika zalaka na yo. Bazo chayo, bazolo ba longola espoir po ekosimba suzute. Nangina ebisa yo ke nzamba kosala na machi kote ya suka. Yozo marke biya victoire po victoire zalaka na yo. Oyebi mutu oyo aper espoir. Aza mutu ya ko fournir sous effort pour le bisi na suki. Mais mutu ya garda espoir. Ayebi tangu koufe salami. Premier jour, deuxième jour, ayebi ke troisième jour e kozala makamu kolo makambo e ko sekwa. Nangina apprendre mutu moko. A cause ya foi, a cause ya joie. O nzamba che katina yo. Même quelque chose ne va pas. Troisième minute ezoya. Et que vous allez laisser quoi pour la vie na yo. Le Dieu de l'espérance, qui a mis l'espérance, qui est l'auteur de l'espérance, fera en sorte que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Église de Dieu, j'aime bien ce Dieu de l'espérance. Zambo a salak, osane lo kote mozon di magolia. A na poto to bosana, zana rappelé. Au Congo, il y a des parents qui sortent le matin, ils ne laissent rien et sans savoir s'il pourra faire quelque chose pour ses enfants. Alléluia. Mais ils gardent espoir que dans les dernières minutes, mes enfants ne vont pas mourir de faim, mais les enfants auront quelque chose à manger. Na zone dima que nzamba zana makoki afungule porte moko. Na zone dima tout commence. Et la joie. La joie veut dire quoi? Moutazane, c'est comme ça. Ozomono, Bobanga na binote, Makamboko changé. Ce que vous voyez, ne craignez pas, parce que j'ai l'espérance à Dieu. Étant donné que j'espère à l'Éternel, si tu espères à un homme, Ozimba Moutou Moukoloba, Akoufie, Abelite, Moutou et Simo Simi Moutou. Mais sache, si nous sommes réunis ici, parce que le Dieu que nous croyons, celui qui a fait la promesse, est fidèle. Amen. Fidélité ensemble, la fidélité de Dieu nous réunit ici en espérant toujours.
C'est pour cela, quand tu attends des autres qui n'ont plus l'espérance, quand ils parlent que Jésus revient bientôt, il te dira tout le temps, vous nous disiez toujours, il va venir depuis les disciples, il va venir. Mais celui qui est connecté, celui qui est branché dans la parole, il sait, tôt ou tard, peu importe le temps, Jésus va venir. L'heure là doit sonner. Je disais un jour ici dans l'église, celui qui a l'espérance peut attendre des choses, peut voir des choses que d'autres personne ne voit pas. Ce que d'autres ne voient pas, toi tu as l'espérance, tu vois déjà. Des gens voient qu'il n'y a rien, des gens voient qu'on ne peut pas traverser, des gens voient qu'on ne peut pas avancer, mais toi tu dis, avec l'Éternel c'est possible. N'écris pas peuple de Dieu, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Ce que tu vois, ne puisse pas te perdre l'espérance. Ayez toujours l'espérance à Dieu. Lui qui a créé cette espérance-là, accroche-toi à lui, parce qu'à un moment donné, il agira. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, celui qui ne comprend pas, qui n'a pas l'espérance, peut perdre espoir vite. La Bible m'apprend que les enfants d'Israël étaient déjà délivrés. Bon, c'est pas là. La joie, la joie, et la joie, et la joie. Alléluia. Ils étaient dans la joie. La Bible dit, ils ont dépouillé des Égyptiens. Ils ont pris leur fortune, leur richesse. Il dit, nous n'allons pas commencer à zéro. Nous partons avec des choses de valeur. Mais ils avançaient, arrivaient quelque part. Il commençait à voir, il y avait l'eau. Alléluia. Et la Bible dit, à quelque temps, Pharaon venait avec son armée. Il commençait à crier. Ils ont perdu l'espoir. Ils commençaient à se lamenter. Ils disaient, Moïse, il fallait nous laisser là-bas, mourir en paix. Là, dis-moi, on devait avoir des tombes. Celui qui n'a pas l'espérance, ce qui l'intéresse, c'est les tombes. Mais celui qui a l'espérance voit un tombeau vide. Alléluia. Celui qui n'a pas l'espérance, c'est pour cela que quelque part la Bible dit qu'elle est blessée les morts, enterrer les morts. Yosamutabomoi. Même pas importe ce que tu peux vivre, la vie est en toi. Laissez les morts enterrer les morts. Il commençait à crier. On m'a dit Moïse, Makambo Luke Libiso. On a besoin pour le koufa. Mais Moïse voyait loin. Il disait, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cela veut dire, celui qui a l'espérance, aucun obstacle ne peut affaiblir ta confiance envers l'Éternel. Tu sais que l'auteur de mon espérance est l'Éternel. Tant que l'Éternel est là, tant que Dieu est là, je ne peux en aucun cas perdre espoir. Peu importe la réalité que je vois, la parole de l'Éternel est capable de changer les choses devant moi. Des limitations peuvent tomber à cause de l'Éternel. Je peux encore avancer là où je me sens les limites, mais avec Dieu, Dieu est capable de changer cette limite-là à une ascension. Alléluia. Cela veut dire, comme je disais, celui qui a l'espérance voit des choses différemment. Quand les autres pensent, quand est-ce qu'il viendra, celui qui est connecté, qui a le Saint-Esprit de Dieu, attend le son de la trompette. Alléluia. Il sent comment Dieu, quand un président vient venir, vous pouvez attendre, la route est déjà vide. Mais il ne vient pas toujours. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas passer. Et lorsque les véhicules vont commencer à passer, ne crois pas que c'est le chef directement. La sécurité peut passer. L'armée peut passer. Mais à fin de compte, il finira par arriver. Alléluia. Écoute-moi bien, peuple de Dieu, l'église de Dieu. Quand on attend un chef dans une réunion ou dans un meeting ou dans un défilé, il y a une chaise qu'on pose pour lui. Des autres peuvent venir. Mais cette chaise-là, personne ne peut s'asseoir si ce n'est lui. La Bible me dit ceci. Il y a notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au trône, à côté du Père. Il intercède jour et nuit pour toi et moi. Ce qui fait mon espérance et ton espérance, l'auteur de l'espérance, il est là en disant, quand il crie, qu'il ne crie pas.
c'est moi, j'ai un dernier mot pour sa vie. J'ai crois à sa grandeur. C'est pour cela que cette place de choix lui est laissée. Tôt ou tard, il viendra. Alléluia. Cela veut dire, celui qui connaît que Dieu est l'auteur d'espérance, il ne se lamente pas. Il donne même le diable le temps d'appeler leur Dieu parce que la tienne viendra toujours vite. Alléluia. La Bible m'apprend qu'Élie, Élie, devant des prophètes de Baal dans sa tête, avant l'adoration, il les a déjà donné le temps. Il dit, appelez la vôtre. Prenez votre temps. Car il savait. Étant donné que j'espère à l'Éternel, il est l'auteur de mon espérance. Ma cambo n'a pas ça l'ango pour n'abattuter, mais n'a pas ça l'ango pour n'aibi à quoi répondre. N'aibi qui a quoi prouver qu'azan zambé à solo. N'aibi qui a quoi ça la parole que sa kazan a bon moi. N'aibi qui a quoi démontrer qu'il n'a quoi souka boété. Si tu as ce genre d'espérance, lorsque quelqu'un t'insulte, lorsque quelqu'un te critique, tu auras l'assurance en disant, tôt ou tard, qu'il pleuve ou qu'il neige, je sais, il agira. Peuple Dieu, nous allons transmettre confiance à Élie que nous allons faire. Si nous avons confiance, nous allons faire un peu de monde qui va nous avancer vers la victoire. Nous avons une expérience à la maquasse. Nous avons espéré que nous allons faire. Nous avons Marie, Marthe, mère de Jésus, Marie de Magdala et mère de Jésus, nous allons faire vers la tombe. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il savait que ce tombe-là était bloqué. Les femmes savaient qu'ils étaient pas, ils n'avaient pas la force de pousser cette pierre. Mais ils avançaient toujours. Alléluia. Moutons en espérance, les banga et bangi sayote. Yo kendara kaka. Maïa, mer rouge et bangi sayote. Yo avança kaka. Que personne ne puisse te faire trembler. Toi, avance toujours. Et quand tu avances avec l'espérance, et la Bible m'apprend, à un certain niveau, il s'est arrêté en disant ceci. Qui nous déroulera la pierre? Mais quelque chose de plus étonnant, ils avançaient toujours. Celui qui a l'espérance peut être un témoin de grands miracles dans sa vie. Celui qui espère, qui sait que Dieu est l'auteur de l'espérance, à ce moment-là, quand ils avançaient, ils ont trouvé que la pierre n'était plus là. Quand tu avances, tu espères que l'Éternel est l'auteur de ton espérance, l'auteur d'espérance. Quelque chose qui est devant toi ne sera déjà éloigné avant ton arrivée. Nazolo bakenzamba longola ba échec libosono avant yo koma wana. Zamba longola ba manquement avant yo koma wana. Yezo koma na espérance ko mona victoire. Yezo koma na espérance ya ko zwa. Yezo ko tana espérance ya ko longa. Mutu moko te empêcher yo vivre ozo vivre. Yo avance seulement avec l'espérance. Il est l'auteur de l'espérance. J'avance pas à regarder les autres. Si tu regardes les autres, tu diras que non sera pas cela ne va pas être possible. Mais si tu avances avec Dieu, si tu dis il est l'auteur de mon espérance, nazan elikia pona ndima nzambe, nazan elikia pona ndima Yesu, nazo tambola na Yesu po libanga ekolungwa. Pe importe nazala na makasi ona nazala makasi te. Mais nzambe na tie elikia a cause ala te iloba na ye elongola kama bena nzela, iloba na ye elongola kama malédiction na nzela, iloba na ye elongola ka échec na nzela. Nzela nazo tambola na kondima yo de cocotel malibosona ngate potanga nazo pousa na yozo longwa tanga nazo avancer zo panzana bible lobi bakoyanze la moko me bako panzana banzela sambu nazana posa na yeba bangote me nazana posa na yeba nzambe oyo aza hotel ya espérance. Hallelujah. Voyons voir David. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, les versets 13 à 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays du vivant. Espère à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère à l'Éternel. Alléluia. Nana za sir na poko na lelo. Ki mboko nzama mema eza mboko ko vivre bi miracle na ye. Si j'étais pas sir mbele na ya potote.
Soko zalaka sir tembelo ya potote. Moi, je suis sûr que Namboka ou Okovirva Makama Minene. C'est pour cela qu'il te dit espère à l'Éternel. Tala kotale na mutute. Eza na mutako peso assurance. Mais aza kokan nanzambete. Ako peso rendez-vous, espérance. Olubina na tchaki mute maso na zimbongo wana. Nako sala boye me eyete. Mais espère à l'Éternel. Ege no bake Namboka ou yo. Oko vivre makamba bien. Et que le bac est ce que vous espérez dans Nzambe. La Bible répète, espère à l'Éternel deux fois. Tiens, Elikia, répète, c'est chercher à espérer toujours. Quand tu espères, mboka oye ko botambo mama bete pona vina yo. Nazo tato la ke mboka oye ko zaramboka li pamboli. Oko kamu sabatu oye baloba na poto ba bonga kate yo fo bonga po zo tia Elikia na mutite kasi na Nzambe. Pourquoi la Bible dit ceci? La Bible nous dit que la terre et ses habitants appartiennent à l'Éternel. Talamboko ozo kota o eza ya Nzambe. Komo na ngomboka ya francité. France aza obligé aza la soumise à volonté ya Nzambe. Parce que la Bible me dit rien ne s'oppose à sa volonté. O Nzamba tia liboso na mboko fo ekokisama. O Nzamba bongisa pona vina liboso na mboko fo ekokisama. Toi espère à l'Éternel. Espère à l'Éternel. Si tu espères à l'Éternel, tu verras des résultats dans ce pays. Tala na mona ba mboko ba lobaki ko bota mbuma ki toko te menzamba sale bota mbuma. Ce qui me semble briller pesa kambuma te Bethlehem ezo bota Yesu. Ce qui balobi ke non jio oza référence ya Saint-Brie en vergue de Jéricho, mais Yesu zo lika kote na yo elike na ezo gangisa yo po makambu e changer. Elike na ezo gangisa yo ozo espérer. Tala natikali mobola ba se kangae ba tinga référence à Saint-Brie. Tout le monde connaissait Bartimée. La Bible dit qu'il était aveugle de Jéricho. Mais baye bakate kati na mutema na ye a espéra ka toujours. Que likambu moko ekolekelanga awa. Nasengelaka kotoyo. Likambu moko ekobimela kotoyo. Nazo like ya lolenge batu bazo ye bate. Nazo like na fason batu bazo ye bate. Likambu wana mutute akokisa yango. Namona ba merese pe sa solution te. Menaza la akaka awa. Bango ba continue ko finga menazo espere. La Bible me dit, ce jour-là, il y avait la foule. Il a posé la question en disant, qu'est-ce qui se passe? Na vanda na kou na oka makele la boete. Na vanda na vilo na oka batakondi maya boete. Qu'est-ce qui se passe? Pe batu ba yebisye. Ba yebisye omoni lelo. Ndegeza bo eza lukwa mikolonyo sote. Eza Yesu Nazareth ndazo leka. Ibartima lobi ambo. Bible lobi mokolo wana. Référence aux akali kolone manto zangile kolona ye. Abi yo longwa nano. Pour ma cambou veut changer. Pour ma cambou veut changer. Ba opportunité à bon akoti kangote le kadifo na vina ngaye. Na vandi tango moulaye na kimobola. Na vandi tango moulaye na kimobola. Écoutez-moi très bien. Pour les gens qui aiment la parole de Dieu, Bartimée voyait avant. Tala yeba elengi ako mono kufa misu nungu le laka. Eh, ta on a zaka na misu zake lengi, Tala Bartimée zako mona. Siku makele le koma kaka boye et komi sa ikimobola pa mona ka susute Bartima linga kimobola te. Il s'est dit ce jour là je dois crier nazoganga. Je crie encore et les gens qui étaient là, la foule qui était là, ils disaient tais-toi. Lui dit, je ne dois pas perdre l'espérance. C'est lui-là, l'auteur de mon espérance. Si j'espère toujours, malgré je ne vois plus rien, c'est à cause de lui. Dis-moi ce qu'il a. On a dit, c'est le fils de David. Il dit, oui, quand je voyais, j'avais lu qu'à travers David, viendra un homme. Cet homme-là, il va changer des choses. Et la Bible dit, il criait, Jésus aussi avançait avec ses disciples. Lui, il a dit, j'espère toujours. Je ne peux pas voir là où il est. Je ne peux pas toucher. Mais je dois toujours continuer à crier. Continuer à crier. Jusqu'à ce qu'il s'est arrêté. Lui, il soit tellement la vie, on n'a pas crié na yo. Il soit tellement la vie, on n'a pas crié na yo. Ozo gang, ozo lembate, ozo li, que les kambou faut changer. Cri na yo, eza prière, ozo bondela. Cri na yo, eza lo lenga, ozo bengaye. Et Bible, Yesu, Bible lobe, Yesu a telemi.
alobi abenga bato nyoso te abenga aveugle appelle-moi cet aveugle bongo atunie que veux-tu que je fasse pour toi lokola espérance ezalaka ka amona alobi maître que je recouvre encore la vie de nouveau tala na kota na ba passi na zaka na ba passi ote na koti na ba malade na zalaka na ngote zongi sanga ndenge bozalaka alobi Jésus fils de David e pitié de moi yango zai ko ganga na ye Yesu alobi ta foi t'a sauvé banda ko mona espérance no moni so makambo zo zela espérance ozo tiana nzambe e fungulo porte ezo kangama liboso na yo espérance ozo tiana nzambe e restaurer e siko mona ki ozalaka mezalaka susute ponkembo ezonge pa na nzambe alléluia chapitre 16 verset 33 au nom du Seigneur amen je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi vous aurez à souffrir dans le monde mais prenez courage, moi je vaincu le monde. Amen. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous espérez encore. Vous aurez des tribulations sur la terre. Ne te laisse pas vaincre, prenez courage. Battez toi ya batu ekitsa kondimano te me ofungwa malisusu. Ozala lokola Bartimeo bi kwete zo kanganga bwakama. Je prends courage. Je vais vers celui-là qui va changer les choses de ma vie, les cours de ma vie. Vous aurez des tribulations. Talamé Tungisi est touché qu'on dit manoté. Ce qui, Bartimée, avait écouté des gens qui cherchaient à le faire taire, il ne devait pas vivre. Son espérance devait être détruite. Nous sommes tous là qui sont pour l'espérance nous est bungamate. Pour l'espérance nous allons toujours protéger. Lui, il a vaincu. Comme lui, il a vaincu. Peu importe les tribulations, dans un tas de la que vino pe bengama pour la victoire, famine pe bengama pour les longa, yango ko kanga mono kote. Ne laisse pas que des tribulations ne puissent t'affaiblir, mais attache-toi à Dieu pour vivre la bonté de l'Éternel. Alléluia. Nazon di makenzamba fongole vinayo. Nazon di makenzambe. Azo peso force ke maloba ya batu epe ki sote me epe so susu makasi ya koluka ye. Parce que quand tu arrives à dominer des tribulations, c'est alors que tu auras la possibilité d'entrer en possession de ce que Dieu a mis devant toi. Si Bartimée n'avait pas continué à crier, Jésus pouvait passer. Tu as la foule et cause à la téléspectateur, mais ton espérance peut t'amener à arracher ce que les autres n'ont pas eu. Alléluia. Foule peut être bougée dans les tribulations, mais ton espérance fera en sorte que tu vives la bonté que Dieu a mis devant toi. Nazota to lokalibosa vinon zambache quelque chose à malamu. Tribulation bangi sote po Yesu salonga. Azo rappelo nazolo bana bino makamboyo ko banga te ba tribulation ko ya ngasi na longa. Engelo bake yope fo longa. Biso pe foto longa. Obengama pona victoire. Obengama pona échec te. Victoire ya nzambe ezala partage na yo. Que Dieu bénisse la parole de Dieu.